Bonjour Basile Gautreau, pilote de moto trial, bienvenue sur cette nouvelle démonstration à la foire de Bar-sur-Seine. Donc je vous présente un peu mon équipe, on a roulé là, on vient de finir la démonstration, c'était sous le soleil, ça fait du bien. Donc là il y a Aurélien qui était avec nous, Aurélien Masson, Maxime Bailly, Mathias Gautreau et Théo et Arthur Le Golvet, qui sont deux petits jeunes, donc 13 ans et 6 ans. J'en reviendrai dessus un peu plus tard. Donc on est du motoclub de Neuville-sur-Seine. Donc voilà, ici on est à Bar-sur-Seine, c'est à côté. Donc dans notre club on a un terrain de moto ouvert à l'année qui nous permet de nous entraîner régulièrement, ça c'est super important. Je vais également vous parler de l'école de trial de Champagne-Ardenne qui a plus de 10 ans maintenant, où donc on est plusieurs moniteurs à former les gens qui veulent qui s'intéressent au trial, qui voudraient progresser dans la discipline, apprendre et progresser. Donc c'est ouvert à partir de 6 ans, puisque c'est l'âge minimum pour avoir une licence dans la Fédération Française de Motocyclisme. Et c'est encadré par des moniteurs brevetés, donc je suis moi-même titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif en moto. Et j'ai avec moi deux brevets fédéraux, donc Aurélien et Maxime qui étaient avec moi aujourd'hui à la démonstration. C'est nous qui encadrons tous les pilotes, quoi. On fait des groupes, on leur apprend les techniques du trial, comment maîtriser sa moto, quels sont les gestes, comment les accomplir, la coordination entre la poignée de gaz, l'embrayage, les freins, c'est pas toujours évident. Donc voilà ce qu'on essaye de leur transmettre dans ces stages. Donc aujourd'hui on a vu de la démonstration, c'est-à-dire que les obstacles sont placés on va dire de manière aléatoire et on va dans le sens qu'on veut, on franchit tout ce qu'on veut, c'est pour montrer l'étendue des techniques qu'on peut faire sur une moto de trial. C'est différent en compétition où là on a des passages imposés. On n'a pas le choix, il faut qu'on aille là, là et là, et il faut pas mettre le pied au sol et pas tomber. Sinon on a des points de pénalité. À la fin de la journée, celui qui a le moins de points, eh ben, c'est lui qui a gagné puisqu'il a le moins de pénalité. C'est qu'il n'a pas mis le pied souvent au sol, qu'il n'est pas tombé souvent. Voilà comment ça se passe. Donc là c'est vrai que c'est un peu différent, c'est la démonstration, mais on aime bien aussi parce que c'est l'occasion de partager aussi un moment avec le public. Et là, Bar-sur-Seine, on a eu du monde, on peut dire le samedi et le dimanche, avec de l'ambiance. Ça encourageait les pilotes, ça applaudissait, donc ça aide les pilotes à aller au-delà de leurs limites en fait. Et donc c'est ce qu'on a vu avec Maxime aujourd'hui, qui nous a sorti des passages assez incroyables sur la roue arrière, sur le gros bloc de béton au milieu, et puis qui a battu son record, qui a sauté sur, je sais plus, 8 ou 9 personnes qui avaient d'allonger les unes à côté des autres, sans les toucher, sans appel, sans arriver très très rapidement, donc c'est... tout dans la détente. Donc le sport, vous le voyez sur les images, c'est un sport d'équilibre, c'est un sport de précision, mais de détente et d'explosivité, parce qu'il faut tout de suite, c'est des grands coups dans les jambes qu'on va mettre pour faire décoller la moto. Donc on va travailler avec les suspensions, on va toujours essayer d'être dans le rythme des suspensions pour s'aider à pouvoir faire décoller les roues de la moto. Donc c'est un sport qui nous met pas mal à contribution au niveau physique. Et aussi niveau mental, parce que bon, vous le voyez sur les images, il y a des moments, on est devant la buse, on est devant le bloc de béton, on sait que si on sort pas sur la roue arrière, qu'on se foire un peu, bah l'avant va piquer, on va prendre une bonne gamelle, donc il y a des fois on se fait un petit peu peur, c'est bon pour l'adrénaline on va dire, il y a un peu d'enjeu et de défi. Voilà.